Elle est devant moi pour nous présenter sa sélection musicale à l'émission Fragnol. Toutes les semaines, Carla, tu nous fais découvrir une chanson. Cette semaine, tu nous fais découvrir une artiste de l'Équateur, le pays. On pourrait peut-être commencer par son nom et ensuite tu nous parleras de sa chanson. OK. Ouais. Comment elle s'appelle? Ella es Ceci Juno o Ceci Juno. OK, même elle, je crois, elle sait pas comment prononcer son nom. Mira, para los jóvenes como nosotros. ¿Se acuerdan de la película Juno? ¿Se decía Juno en español? Bueno, es que se escribe con J. Sí, ok. Pero bueno, tú en francés lo puedes decir Juno. Juno. Porque Juno. La J no la saben pronunciar. Ah non, est-ce que le prononciation est différente? Donc, Juno, c'est le nom de famille de l'artiste qu'on va découvrir cette semaine à l'émission Fragnol. Et parle-nous un peu de cet artiste, Cecilia, et de sa musique. Ok, ella es de Guayaquil, Ecuador. Es una de las razones por qué quiero que la escuchemos, porque creo que no hemos escuchado música de Guayaquil, o no hemos escuchado hace un tiempo. Ok, donc on va découvrir une artiste de Guayaquil, une ville de l'Équateur, Ceci Juno, ou Juno. Et Carla voulait présenter de la musique de Guayaquil parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'écouter des artistes de cette ville équatorienne. Et la chanson que tu nous présentes cette semaine, c'est quoi le titre? La canción se llama Ahora sé. Maintenant je sais. Oui. D'accord, maintenant je sais quel est le titre de la chanson. Maintenant je sais. Quel est le nom de l'artiste que Carla nous présente? Ahora sé. Que se llama? Elle s'appelle Ceci Juno ou Ceci Juno. À l'émission Fragnol, c'est la sélection musicale de Carla. Un gros merci, gracias. Para, para.